suis Fatima, éducatrice chez l'ASBL Citizen. Donc on est un centre de formation. On fait des éducations non formelles pour les adultes. C'est notre deuxième édition. Donc la première édition, on l'a fait à Parc Elisabeth Kuckelberg. L'idée est venue après les attentats. On a senti chez les gens qui venaient chez nous faire des formations, suivre des cours, qu'il y avait cette urgence, qu'ils voulaient vraiment expliquer un peu plus leur foi, leur religion, parce qu'ils voyaient que c'était un peu pris en otage par des terroristes ou des extrémistes qui donnaient une mauvaise image. Et ils voulaient vraiment faire quelque chose pour relier les autres communautés ensemble et donner une meilleure image, une vraie image, comment eux, ils sont leur, ou ils pratiquent leur religion. Okay. Donc les deux valeurs de l'hospitalité et de la solidarité sont très présentes pendant le Ramadan. On voit que les musulmans sont encore plus dans la solidarité. On voit plein d'iftar, plein de gens qui se mobilisent pour aider leur pays ou les réfugiés ou les sans-abri. Et ils sont aussi très, très ouverts et on a dit qu'on doit prendre ce vibe et faire en sorte qu'on peut lier toutes les communautés. Mais la première édition, on s'est focusé très beaucoup sur l'islam, donc on a donné beaucoup de l'explication sur la religion. Cette année, on a élargi vers les autres communautés aussi. On a dit que c'est une belle initiative qui peut vraiment relier toutes les communautés ici à Bruxelles, parce que ces valeurs sont des valeurs partagées. Les valeurs de la solidarité et de l'hospitalité, ce sont des valeurs que tout le monde partage. Et c'est avec ces deux valeurs qu'on essaye de fêter ça ici. Pour nous aussi, c'est un statement, parce que la place au marché aux poissons, c'est ici aussi qui se fait le marché de Noël. Et pour faire quelque chose qui est lié au Ramadan, c'est aussi de dire que le Ramadan appartient aussi aux Bruxellois et ça se fait ensemble et on partage notre culture, notre savoir. Il y a un échange, on essaie vraiment de créer plus d'empathie l'un pour l'autre. Donc c'est un projet qui est porté par beaucoup d'associations. Alhamdoulilah, il y a des associations qui sont musulmans, mais il y a des associations qui ne sont pas musulmans, mais ils sont tous travaillent tous ensemble pour ces deux valeurs, pour ce projet. On est presque plus que 50 partenaires. Ça prend quand même un peu de temps. Oui, c'est depuis décembre qu'on a commencé à se mettre ensemble, avoir les idées, partager un peu la connaissance qui est, que les autres apportent, et pour voir comment on peut mettre ça en place. Et qu'il y a aussi un support de toutes les organisations, et que chaque organisation apporte un peu son expertise pour faire en sorte que c'est un projet très réussi. Moi, je suis Kathleen, je travaille pour Citizen, l'organisation qui organise le festival, l'Hospitality Festival. En fait, on a commencé l'année dernière, hein, c'est la deuxième édition. On a lancé le festival suite aux attentats qu'il y a eu, et parce qu'il y avait la communauté de musulmans qui ne se sentait pas entendue et qui voulait ouvrir le dialogue. Et alors, on a pris le Ramadan, la période du Ramadan, qui est une période de solidarité, on donne pendant d'ouverture, etc. On a pris cette période-là pour justement mélanger musulmans et non-musulmans. On veut en fait qu'ils viennent pour les concerts, pour nous c'est ok, c'est aussi c'est bon qu'ils aiment le concert, etc. Mais en même temps, quand ils passent les tentes, qu'ils entendent quelque chose d'intéressant, qu'ils peuvent aussi participer à ce débat. Parce que si on les invite uniquement à un débat, il y a beaucoup de gens qui ne viendraient pas. Ouais. Donc c'est bien d'avoir le mélange, et je crois que l'année prochaine, on va encore plus miser sur ces débats intéressants. On a des débats intéressants, hein. On a invité des auteurs qui ont écrit des livres. Par exemple, on a un Palestinien qui a écrit un livre sur son arrivée ici en Belgique. Et ben, demain, pendant une heure, il va en parler. On a aussi un entrepreneur qui a 19 ans, c'est le plus jeune entrepreneur de la Belgique. Je crois que c'est un Marocain ou un Turc. Il va venir parler
de ses rêves, parce que lui, par exemple, il veut changer le monde, en mieux, bien sûr. Et donc, pendant une heure, il va aussi venir raconter. Donc, on a plein de gens intéressants à ce festival qui viennent parler et qui viennent discuter. Bonjour, je suis Rzala Chérifi, présidente d'une association qui s'appelle Les Amitiés Belgo-Algériennes, et je suis aussi conseillère communale à Agette. Je suis ici venue soutenir les différentes associations ici présentes, comme c'est des associations où on voit vraiment la diversité qui représente la diversité bruxelloise, toutes les nationalités, toutes les contrées, toutes les spécificités de chaque stand. Ici, là, je suis devant le stand d'une amie qui a créé son association depuis peu, Femmes d'Alger d'ici et d'ailleurs, où vous voyez l'exposition de l'artisanat algérien, ici la tenue constantinoise, l'artisanat algérien, une tenue du côté des Chaoui, voilà. Faïza est là, tout à fait. En face, vous voyez ici justement, en face, il y a une association kabyle, donc la diversité algérienne, mais on voit aussi les associations marocaines, africaines, tunisiennes. Et donc voilà, c'est le vivre ensemble et c'est la réalité bruxelloise et c'est ce qu'il faut faire en fait. Ce qu'ils le font encore de plus en plus, depuis où on voit aujourd'hui le repli sur soi, il y a parfois des propos où chacun a peur de l'autre. Il faudrait que, voilà, on voit des Belges qui viennent, on a vu aussi des Asiatiques qui parlent même l'arabe et qui viennent dans nos stands, c'est formidable. Donc non, il faut, et surtout aujourd'hui, on a besoin de se parler, on a besoin de s'entendre, de s'écouter, de découvrir ce que l'un et l'autre, même entre nous, entre maghrébins, parfois on a des a priori des uns et des autres, donc je sais de quoi je parle en tant qu'algérienne, donc voilà, et parce que parfois, je vois souvent les Marocains, parfois on ne savent pas vraiment comment ça se passe chez nous en Algérie, notre culture, notre diversité, et c'est bien de le montrer. Donc je trouve ça une très belle initiative, et c'est très chouette de le faire, et voilà, donc c'est Bruxelles dans toute sa diversité, dans toutes ses couleurs, parce qu'il y a plein de couleurs, hein, les stands sont très colorés, et puis il fait beau, et puis les gens sont contents, et c'est très chouette. هذه التظاهرة يعني تعتبر أولا تجمهر جميل بين جنسيات مختلفة ومن بينهم الجنسيات المغربية الحمد لله لدائمة الحضور في شخص فارد كابون اللي تمت الشراكة معها يعني شراكة ديال فرقة جسور السلام من بينهم المايسترو عزيز الغني عن كل تعريف الحمد لله والإخوة عبد الرحمن الأستاذ عبد الرحمن والأستاذ حسن وعبد الربيه المنشد دريس مساوي الحمد لله هو يعني كان اعتبره عرس يعني أوروبي ومغاربي في جميع المواصفات دياله وكنشكركم جزيل الشكر لدائم الحضور وقريبين منا دائما وشكرا جزيلا إيميرو فانتكات رمضان ونتمنى لكم إن شاء الله رمضان كريم وكل عام أنتم بخير إن شاء الله للمغرب